c'est après manger, nous sommes assis au bord en regardant la Garonne, et puis on parlait avec des copines, et puis tout d'un coup on a vu le bateau qui était chaviré déjà, puis des gosses qui avaient l'air de jouer dans la Garonne avec un monsieur. On n'a pas prêté attention, on a dit quand même, ils n'ont pas de gilet de sauvetage, c'est quand même risqué. Et puis au bout d'un moment, on a vu la maman, enfin on suppose que c'est la maman, qui venait à leur rencontre. Elle a pris ses deux enfants et les a tirés vers le bord. Sans cri, sans appeler au secours, sans rien. J'ai dit, bon, c'est un jeu. Et puis tout d'un coup, on regardait la maman, on regarde vers le papa, on le voit plus. Il nageait plus, on le voit plus. On a dit, mais alors là, c'est là, on a dit, bon ben, il se passe quelque chose. Et puis tout d'un coup, on regarde, on voit plus la femme. Et on voit quelque chose flotter. Alors, nous étions à côté, à peu près à 200 mètres. On court vers la rive, là où il devait être. Je vois les serviettes, il n'y était pas. Mais je dis, bon, c'est pas possible, on regarde autour. Bon, c'est là qu'on s'est aperçu que... Bon, alors, bon, on a appelé tout de suite les pompiers. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire, quoi. Hein. Alors là, on se culpabilise, on dit, mon Dieu, est-ce qu'on aurait pu plonger? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire?